à faire valoir. C'est difficile hein, de faire à choix, c'est vraiment une affaire d'impression. En tout cas, l'édition 2016 semble à avant coup être un très très grand millésime. La réponse dans quelques instants, le premier des 7 groupes 1 de cette réunion fantastique. Premier des 7 groupes 1 de cette formidable journée. Le total prix Marcel Boussac, le critérium des pouliches avec les meilleurs pouliches de 2 ans qui viennent de s'élancer sur le tracé des 1600 mètres avec un très bon départ pour le numéro 1 d'Abilla, Kazakh rouge et blanc qui va effacer son numéro à l'extérieur pour venir prendre la tête et la corde. D'Abilla qui a maintenant le meilleur avec Frankie Dettori avec dans son dos tirant énormément le numéro 10 Body Sculpt alors que Promise to Be True, le numéro 9 se rapproche accompagné par le numéro 7 Ueda. C'est la Kazakh Blue Tog Blue Godolphin qui vient à l'extérieur. Pour l'instant, ce sont les pouliches entraînées à l'étranger qui sont aux avant-postes, même si Body Sculpt se rapproche côté corde. Alors que le numéro 2, First of Spring, est maintenant en 5e position et vient encore avec le numéro 4, Elegant Berry Kazakh Noir qui est toujours à la corde. Elegant Berry Kazakh Noir donc qui vient à la hauteur maintenant de l'invaincu Toulifo qui a sa nouvelle Kazakh jaune et rouge. Les concurrentes qui sont maintenant dans le dernier tournant. On retrouve également First of Spring et puis le numéro 8, Caval Doré Kazakh Orange qui est en position d'attente pour maintenant déboucher dans la dernière ligne droite. D'Abilla qui a le meilleur avec Ueda qui vient à son extérieur en 3e position. Promise to Be True en 4e position. Body Sculpt qui vient avec Normandel, avec First of Spring, avec Caval Doré, avec Toulifo également qui tente maintenant de réagir, accompagné par Senga qui vient à son extérieur. D'Abilla le numéro 1 qui tente maintenant de se relancer. Ueda le numéro 7 de plus en plus vite en dehors avec Promise to Be True qui est en 3e position. D'Abilla pour la victoire avec Ueda de plus en plus vite. Ueda qui prend l'avantage maintenant à D'Abilla. Ueda, D'Abilla et Promise to Be True à l'extérieur. Ueda, le numéro 7 qui s'impose. Promise to Be True sera certainement deuxième devant le numéro 1 D'Abilla qui conserverait alors la 3e place. Des routes complètes hein, des pouliches françaises. Victoire de l'anglaise, le numéro 7 Ueda. C'était le tube hein, de l'été, comme l'a dit Stéphane. Elle était très chuchotée, cette pouliche. Et comme le font les bonnes pouliches, elle a su passer aujourd'hui directement d'un maiden à une course de groupe 1. Notez la très belle fin de course du numéro 9, Promise to Be True, qui se classe deuxième et troisième place pour le numéro 1, D'Abilla. 7, 9, à 5 et 8 pour l'arrivée toute provisoire de cette première épreuve, puisque je viens d'entendre la sirène retentir, sirène annonciatrice d'une enquête des commissaires. Il y a tout l'info, hein, notamment qui a été malchanceuse, Dominique, m'a-t-il semblé, oui. sur le direct.